Installation des armoires de la série Edge. Téléchargez les instructions d'installation en format PDF sur notre site Internet pour suivre les étapes lors du visionnement du vidéo. Étape 1. Étalez les armoires au sol sur du carton ou sur une surface qui ne les abîmera pas. Installez les pattes en utilisant les boulons à tête hexagonale fournis et serrez ceux-ci avec une clé. Étape 2. Soulevez vos armoires en position verticale. Pour installer les poignées, alignez-les avec les trous dans la porte et pressez pour les fixer en place. Pour installer les moulures, alignez-les sur le haut de la porte et poussez-les vers le bas jusqu'à ce qu'elles soient correctement insérées. Vissez dans vos moulures. Installez les aimants dans les trous rectangulaires situés au-dessus et au-dessous de chacune des portes. Étape 3. Localisez vos montants muraux à l'aide d'un détecteur de montants et identifiez-les à l'aide d'un marqueur ou d'un crayon lavable. Placez côte à côte l'armoire de base et la grande armoire contre l'emplacement souhaité sur votre mur. Retirez les tiroirs de l'armoire de base en appuyant sur la pièce en plastique située de chaque côté du tiroir. Assurez-vous que vos armoires sont de niveau et que les trous de liaison sont alignés ensemble. Reliez les armoires ensemble en utilisant les boulons à tête bombée, les rondelles et les écrous fournis. Fixez les armoires aux montants muraux à l'aide des vis à bois de 3 pouces. Nivelez l'armoire murale avec la grande armoire en vous assurant que les trous de liaison sont alignés et attachez les armoires ensemble. Fixez l'armoire murale aux montants muraux en utilisant les vis à bois de 3 pouces. Étape 4. Placez les cylindres d'espacement en acier inoxydable au-dessus des trous prépercés de votre armoire de base. Déposez la surface de travail sur vos cylindres en vous assurant que tous les trous sont bien alignés. Reliez les cylindres, la surface de travail et les armoires ensemble en utilisant les boulons fournis. Étape 5. Installez le support en L sur la grande armoire en utilisant les boulons fournis. Alignez votre armoire de base et placez votre surface de travail pour qu'elle s'appuie sur celui-ci, ainsi que sur le support en L. Nivelez et vissez dans les trous prépercés en utilisant les vis à bois de 1 pouce. Étape 6. Remettez vos tiroirs en place en les insérant dans les glissières et en poussant bien jusqu'au fond. Étape 7. Les charnières de porte possèdent 2 vis d'ajustement. La vis située à l'avant sert à ajuster la porte en la déplaçant de gauche à droite. La vis située à l'arrière sert à ajuster la distance entre la porte et le cadrage. Conseil. Si vous rencontrez des problèmes en alignant vos portes, cela peut être causé par un mauvais ajustement des pattes de la grande armoire. Utilisez une clé de 9/16 de pouce pour ajuster celle-ci correctement.